Salut à tous, c'est Mémé sur Magic Arena FR. Comment ça va? Ça va très très bien et toi? Ça va très très bien. On se retrouve pour une petite ouverture de booster. Yes, Voilà. On est comme coutumier de la chose. On va ouvrir 60 boosters Terros chacun. Comme d'habitude, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une petite Rix d'ouverture Yes. de booster. On a un système de points qu'on va compter en fonction des cartes que l'on ouvre. Et ensuite, on désigne un vainqueur et le vainqueur il est content et le perdant il est Il moins est content, moins mais content, il est quand même voilà. content d'avoir des cartes Terros et ça fait plaisir. Exactement, il n'y a absolument rien à gagner si ce n'est la fame d'être gagnant. J'ai beaucoup perdu sur les ouvertures de booster, mais ça fait T'as deux fait une belle ouvertures là. remontada là. Ouais, ça fait deux ouvertures que je suis plutôt chaud. Ce week-end, pour parler un petit peu de ce week-end, nous étions à Magic Bazar. Merci énormément à eux, on s'est régalé à faire ces AP Merci beaucoup, c'était top. là-bas. Tu as eu de meilleures ouvertures que moi, il faut le dire. Au moins une meilleure que Le moi. dernier booster ouvert a été bien meilleur Et était le meilleur que de tout le toutes reste. les AP. Une Donc du petite tassa. coup, le retour de karma me permettrait peut-être de te rebattre ce soir Effectivement. comme en ouverture Throne of Eldraine. Pour revenir un petit peu sur ce week-end, on a fait la journée Valley Pell jeudi et ensuite on a enchaîné avec les AP le vendredi et le samedi. On a rencontré la communauté, on a passé donc du coup la plupart de notre temps à Magic Bazar. C'était génial, voilà, merci énormément à Magic Bazar. Merci Merci à tous beaucoup. ceux qui sont venus échanger avec nous, nous saluer et tout. Bah voilà, on a passé un moment de fou. Merci à ceux qui sont venus à l'après-midi aussi. Ouais. Valley PL, c'était trop trop bien. On a passé du coup l'après-midi à jouer, à discuter, on a fait du cube. Enfin, c'était vraiment un bon moment, donc génial. On rentre d'un week-end, on rentre de la gare. Et on enregistre une vidéo dans la foulée. Direct, ouais, c'était un super week-end. On espère que ça pourra être mis en place et on espère que ça vous a plu. Yes, Voilà. bah carrément, bah, pas grand chose à rajouter, si ce n'est encore merci, et c'était très cool de pouvoir vous rencontrer, en espérant qu'on pourra le refaire aussi souvent que possible, Yes. bien entendu. Autre chose à dire également pour ce soir, il y a le Rossez-vous si vous pouvez à 20h sur notre chaîne. Donc si vous regardez cette vidéo juste après qu'elle soit sortie, il y a, enfin vous avez le temps de vous préparer voilà, des petits pop-corn, la petite boisson pour assister à Parce ce que ça va match être stylé. entre du coup Best Marmotte qui est le champion actuel. Du Rossez-vous si vous Exactement. pouvez, Qui a qui s'est défait défait l'ami de Girock. J-Rock la semaine précédente en duel d'historique. En duel Ouais. d'historique, effectivement, il a réussi à sortir le grand champion, le joueur MPL, le meilleur joueur français. Donc voilà, il est devenu lui-même champion et on lui a opposé El Grand Boa pour ceux qui connaissent, qui regardent ses streams, qui stream régulièrement du Pionnier en ce moment, qui prépare le Pro Tour Bruxelles. Ils vont s'affronter avec les cartes Terros, en tout cas ils en ont le droit, on n'utilise pas Oh, le format. surprise. Venez voir, l'historique a disparu, donc voilà, vous doutez un petit peu de ce que ça va être, entre guillemets. Bon après ça les empêche pas, s'ils veulent s'affronter en historique, ils le peuvent. Ouais. Mais voilà, en tout cas... Je sais que ce soir il y a des cartes Terros qui vont être jouées et ça c'est très 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 hypant. Nous avec Pierre-Louis on a hâte de découvrir ça aussi parce qu'on ne Une dinguerie. spoile pas les games évidemment. Donc voilà, je pense que ça va être un duel de fou. On vous attend pour commenter ça aux petits oignons. Ça va être vraiment très très bien. Donc n'hésitez pas à Exact. passer à 20h sur Twitch. Je précise juste quand Val dit que l'historique a disparu, parce que les gens vont dire quoi, il a disparu, on peut plus Non, jouer. Il n'a pas disparu du le tout, c'est ladder. juste que le ladder a disparu. Voilà, le format est toujours là, il va être actif, etc. Mais là, vu que Terros vient de sortir, c'est le standard sur lequel Wizard met l'accent. Et l'historique, ce sera plutôt à partir de mars, fin février, donc après la World Cup, je pense, et début mars pour revenir sur le standard en avril avec la sortie de Ikiora. En gros, ils remettront les ladders historiques à chaque fin d'extension, avant la prochaine extension standard. Et quand la prochaine extension standard ressort, ils enlèvent le ladder historique pour se concentrer sur le standard. Si vous voulez continuer à jouer en Exactement. historique, vous avez le droit d'y jouer contre vos amis et Et vous on avez l'a le d'or non droit d'y classé. jouer en ladder non classé. Voilà, exactement. Yes, alors on va faire cette petite ouverture de booster. Pourquoi est-on sur la boutique? Parce qu'on a déjà nos boosters. On vous montre le code PLAYTERROS. Paf, paf, donc petit cut parce que la vidéo s'est coupée instantanément. Je disais, quand vous tapez donc PLAYTERROS dans la boutique, comme vous voyez en haut à droite, ça vous donne 3 boosters Terros, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour ouvrir des petites dingueries, je l'espère. Et ben, nous, on l'utilise également. Hein. Pourquoi Yes. refuser des petits boosters cadeaux? On est sur ton compte. Tu vas Ouais. commencer C'est moi l'ouverture de qui booster. ouvre les hostilités du J'ai coup. papier-stylo pour noter comme d'habitude. Donc, je le rappelle, le décompte de points, c'est une rare wildcard, donc un joker wildcard, c'est un point gagné. Une mythique ouverte, peu importe laquelle, c'est 2 points. Une mythique wildcard, c'est 3 points. Et à chaque fois, il y a une petite spécificité, etc. D'habitude, c'est Chaque une carte qui vaut extension. plus cher. Voilà. Là, on s'est dit, tiens, c'est la fête. N'importe quel dieu ouvert, c'est 4 points. 4 points. Et si c'est une Donc, Tassa, équivalent de deux c'est mythiques. 12 points. C'est
15 points. Pas du tout. Ça non. restera 4 points, mais le mec sera un peu plus content de ses 4 points que Parce l'autre. Parce que t'as ça, c'est un peu mieux. Où est Eliot? 3,5. Bon, ah, franchement, Eliot, je prends comme t'as ça, à l'heure actuelle. C'est vrai? Allez, let's go alors. Les wildcards qu'on va ouvrir avec la petite. Bah, juste au-dessus de nous, ça ne compte pas, puisque forcément, on va en avoir le même nombre tous les deux, logiquement. C'est parti. Let's go. Alors, on peut les ouvrir 10 par 10 ou un par un. C'est à notre guise. Ça va être un petit booster de chauffe. Et ben non, ça va être un par un. Bah oui, un booster de chauffe, c'est un par un. Et ben on peut faire un 10 de chauffe aussi. Hein. Tu peux faire un 10 de chauffe. Je peux faire un 10 de chauffe. Allez, ça commence. C'est ça les 3 points. Très, très fort. Ça, tu vois, ça c'est Nilea, tu vois. Parce que ça Nilea, ça devrait pas coûter 3 points. Ça devrait pas coûter 4 points, tu vois. Hop là, Mythic Wildcard. Mais ça tombe bien parce que tu vois, des rares j'en ai, des mythiques j'en ai pas. Et moi pareil, je suis dans le même cas. Ok. Elspeth. Conquiert la mort. C'est 4 points une Elspeth, je crois. Non, pas non, du tout. Pas du tout. J'adore le petit truc première là qu'ils affichent. C'est assez stylé. Et là, il y en a 10 d'un coup. On a aucune mythique. De la merde. Et une rare Wildcard. On a beaucoup de merde. C'est vraiment bien. Pas très bien. Hop là. Alors, est-ce que c'est rare? Moi, je suis bien. Très content en tout cas. Prenons le temps un petit peu de regarder Fracassement du ciel. Ça, c'est très bien. C'est bien. Les deux temples sont très bien. Les deux temples sont très très bien. Ils auraient été craftés quoi qu'il advienne. Et Bénédiction peut-être. Moi, sera j'aime intéressant bien pour un build. C'est ça, avec le build avec l'enchantement à 4. Tout le reste. Je les mets dans le cucu. Voilà. Ouais, oh, Afemi, intervention. En à début voir. De méta, tu peux faire un truc avec. On repart sur du un booster. Oh, Buffle de la Golas. Très très bonne mythique, mythique au demeurant et au demeuré. Oh là là, pour le joueur de Dredge sur Arena, c'est pas possible. Non, mais quand ils seront là, ils seront contents. Timaret okay. appelle les morts. C'était assez drôle. Bah, du coup, on n'a pas pu voir l'illu, mais. Ouais. La personne qui dessine ça, je crois qu'elle s'appelle Vincent quelque chose, si j'ai pas de bêtises. C'est un pote. Non, c'est pas un pote, mais en fait, il fait plein d'illustrations de personnages assemblés avec d'autres corps. D'accord. Genre Ogak. Genre très. Ok. Ogak, c'est lui. Très Gantz-tiers, du coup. Je connais pas Gantz, mais oui. Ok. Enfin, j'ai jamais regardé Gantz. Mais ouais, effectivement, c'est son délire, quoi. Oh. Berger de cauchemar. Ça, je prends. Très, ça. Très bon. Très, très bonne carte. Regarde, je le note. Non, voilà. Ça vaut rien, mais je suis content. Tu vois, la qualité des rares, même si je perds, mais que j'ai une bonne qualité de rare, ça me va très bien. Ouais, comme cette Tarnica. C'était un fail, c'était un prank. J'ai appuyé à droite. Tout de suite. Et je fais vraiment la pire ouverture. Est-ce que je viens de faire 0 points en 10 boosters? Oui. En 12 boosters, si tu comptes les deux d'avant. Ça, c'est une déculottée c'est, dans le jargon. Genre, j'ai même pas besoin d'ouvrir mes boosters, je sais qu'ils sont meilleurs, là, même j'ai, fermés. J'ai déjà perdu. Hein. Je pense que c'est compliqué là. J'ai ouvert 0 dieu, on est d'accord. Il va falloir que. Ouais, t'as ouvert 0 dieu. Il va falloir que t'envoies du gros steak. Hein. Mais du steak avec. Parce que j'ai vraiment très peu de rares mythiques et il y en a beaucoup à crafter. La rare mythique. Et non, pas du tout. Waouh. Ouais, tu. Ouais. Waouh. C'est. Il faut bien choisir. Si tu veux tester des builds avec Erebos, oh là là, c'est chaud. Oublie. Eh non, mais Erebos, ça dégage. Il y a deux dieux qui vont être craftés. Erebos, ça dégage. C'est... Ah, superbe. Oh, ça, c'est un open. Oh là, t'as tout cassé, par ça, contre. Ça, c'est un vrai open. Alors, deux mythiques. Un dieu. Paf, paf. Un dieu qui est Clodis. Une mythique wildcard. Exactement. Une rare wildcard. Franchement, ça, c'est bon. Ouais. Si tu devais ouvrir que 10 boosters, c'est cela. Je pense que les top dieux qu'on va crafter, ça va être Tassa en premier pour Foro, je pense. Les premiers jeux Hero Asik. Oui, j'ai lu la carte pendant l'avant-première et je me suis vraiment dit non. Genre, traduction, comprend pas. Déjà, on dit Héroassien. Pas du tout. Il y a combien ce petit Volt? Oh là là, il est 225%, tellement avancé, ça monte, quoi. Hein. Le manteau du loup, tu sais à quoi ça fait référence? Non. À rien. Voilà. Oh, que ça. Hey, titan de un la titan, c'est de pas 4 points. Non. Un titan. Je savais que t'allais demander. C'est plus gros qu'un dieu. La réponse est non. Un titan. Dites dans les commentaires si un titan, c'est pas plus fort qu'un dieu. C'est non. Alors, dans la mythologie grecque, les titans sont plus forts que tous les dieux sauf Zeus. Oui, mais au final, il reste que les dieux, tu vois. Pourquoi il reste que les dieux? Bah, les titans, ils ont été bannis, exilés. Enchaînés, exilés, balayés, manchetés, crochets, hypercutés, tu vois. Et on finit sur 10 boosters bien de merde. Ah, putain, non, mais c'est nul le quoi, putain. Franchement, tu te bats bien, là, quand même. J'ai ouvert de la c'est merde très tout moyenne, le mais... week-end à Magic Bazaar. T'as et encore là... 5 boosters, tu peux faire une remontada. Il hein. Eh, faut que j'ouvre 5 dieux. Je crois que si je fais pas 5 dieux, je peux pas gagner. Un ou 2 dieux, là, t'es vraiment très bien. Oh, putain. Ah, non. Ouais, pas ça. C'est un hippocampe, c'est un peu... Non. Ah. Non, mais c'est bien. Après, est-ce que c'est pas des demi-dieux?
Oui. Ils valent 2 points du coup. Non. Toujours pas. Ah, t'étais content d'ouvrir de Yes! Clotis, hein? C'est pas du tout ce que je veux ouvrir. En vrai, j'aurais même pas envie de te le barrer. Genre, je te la compte pas celle-là. C'est vrai? J'ai compté, bien sûr. No digidi. Eh ben c'est 60 boosters avec 0 tassa, bien mal investi. Attention. Est-ce qu'on peut ouvrir un dieu là? Est-ce que tu penses Vas-y, qu'il y a un clique sans dieu? regarder, je te dis si c'est bien. Oh, c'est super. Ben c'est un dieu. Ouais, ça c'est une tassa. Oh, c'est super. Et ça monsieur, ça c'est une Alors, tassa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 et 9, 20. Ouais. Et 28. Pas mal. C'est quand même un tout petit score. Hein. Oui, en moyenne, pour se situer. Bon, après, on fait pas toujours le même décompte, hein, mais en moyenne, on compte. Je crois que sur la dernière ouverture, j'ai fait 33 ou 34. Entre 30 et 35, je crois. Oh, c'est des Les très grosses bonnes ouvertures. ouvertures. Hein. 35, c'est grosse Ouais. Là, sur ouverture. Eldraine, j'avais tout cassé. J'avais fait genre une trentaine. Ouais. Mais Moi, j'avais j'avais fait vraiment bien peu, par contre. J'avais cassé fait les genre stats. 24, moi. Ouais, t'as fait un truc comme C'était ça. vraiment de la merde, quoi. Bon, je suis peut-être dans la norme en fait. Ouais, mais les ouvertures en général sont assez lisses. Genre, c'est Ouais. assez rare, les grosses ouvertures et les très nuls à chier. Bon. C'est dommage. Là, après, de C'est. Clotis, c'est bien en termes de points. C'est pas bien en termes de build. Non, sans Mais cague bon. pour l'instant de Clotis, effectivement. Petit switch, du coup, on passe sur mon compte et on ouvre les boosters. Tiens, je Yes, te donne ce petit let's truc. go. Hop. On se retrouve du coup pour l'ouverture Yes. de mes propres boosters. Vais-je faire mieux que 28 points et Oui. don de Dieu. Don de Dieu. Oh, don de Dieu. On va voir si ça se passe bien. On va commencer par les petits boosters. Putain, tu fais pas les 10 de chauffe, toi. Non, non, je fais les 1 de Ah, chauffe, ça, pareil. vas-y, rappelle-moi, ça vaut combien? Ça vaut 0. Galéa Zéro. de la danse perpétuelle, dédicace Zéro, zéro. à Quentin de Magic Sechik sur cette carte dont il confère le DH. Ça, Actos c'est un l'épargnier. fils de Dieu. Tu sais combien ça vaut? Non, mais ça, Zéro. par contre, c'est pas un dessin, c'est une photo d'un péplum. Une photo d'un nanar? Est-ce que les péplums sont des nanars? Ouais, je En pense. général. Ah voilà, donc c'est Vincent Prosse. Vincent Prost, mais c'est un pote, je te Voilà, dis. j'étais pas loin. Et voilà, c'est sa spécialité. Et j'adore qu'il y ait trois petits gars qui regardent la statue en mode vous avez vu. Ouais, sympa hein, ce qu'on fait. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est Ouais, cool. c'est pas mal. Toujours zéro point. Toujours zéro, mais C'est après, peut-être bon, Theros qui est pas généreux aussi. on Hein. peut pas tous commencer par une mythique wildcard. Oui, Voilà. c'est vrai. Ah là 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 là. C'est bien. Ouais, c'est pas mal. C'est bien. Ouais, c'est bien. Je peux avoir un peu un Est-ce truc là? qu'il peut se passer juste un truc? Qu'on puisse même ne serait-ce que Mais là, rebondir. je chauffe et à 52, je vais faire ouvrir 10 et ça va être une dinguerie, voilà. Ouais, c'est probable, mais je pense que tu vas le faire à 51. Déjà, voilà. Ok. Je suis en train de te dire, ça se prépare. Petite Ok. mythique wildcard. Une petite mythique wildcard. Tu penses que je vais le faire à 51? Moi, je pense. Eh ben, t'as raison. Peut-être que je le fais à 51. Peut-être que je vais le faire à 50, même. Peut-être que je le ferai jamais. Oh là 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 là, ça ouvre un dieu, c'est parti! Mais on a dit qu'il valait que 3,5, Et Dieu. maintenant, on ouvre 10. Ouais, mais on a ouvert en supérieur, du coup, c'est bon. Aïe 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 aïe. Pastèque. Alors attends. On a une mythique, un dieu, une mythique wildcard, une rare wildcard. Ouais, et puis je tiens à souligner la qualité de ta La mythique. qualité de cette mythique. Voilà. Parce qu'autant ton dieu, bon, pas fifou, Ça va. autant ton Ashiok, vraiment sympa. Ça va. Et bien je crois que tu m'as déjà battu. Ouais. Et ben là, il y a 50. Donc voilà, KO. Ouais, ils sont assez vénères ces 10 Hop, boosters. non, je n'ouvre En pas même temps, j'ai fait 10. 2 x 10 pour 0 points. Oui, Donc, donc c'était pas bien. c'était Mais après, pas. j'ai call. Hein. Quand tu call et que c'est bon, C'est doublement bon. c'est brou, tu vois. C'est effet qui se coule. Exponentiel. Ouro. Ça envoie des mythiques. Non, mais c'est qu'en plus, c'est la qualité des mythiques que On t'envoies. a ouvert chacun Titan. Putain, Mais Toto ouvert je Roxa. crois que tu es en train de me laver le cucu de manière Je suis en inversement train de reprendre mes proportionnelle. droits. Ouais, à quel point je t'avais lavé le cucu à Eldraine. Ouais. Exactement. Ça, c'est le C'est ressort parce rossé, que hein. je me suis un peu laissé aller et là je suis en train de montrer qui c'était le patron hein, en fait. Ouais, ça faisait quand même 2 extensions Attention, que t'étais pas c'est pas chaud. fini. Ouais, mais bon, il y a un moment dans la vie d'un sportif, Ah mais forcément, il a un creux. c'est pas fini, mais là t'as déjà gagné. Donc là maintenant on est juste sur Non, un. pas forcément. Si je joue vraiment que de la merde, ça m'est Là arrivé. tu ne joues que pour la déculottée, tu vois. T'es juste, tu Ouais. joues pour Fanny Pass sous le baby, tu Il y vois. a, y a 3-0 et on Ouais, peut aller plus loin. putain. Oh, ça va, il y a que 2 mythiques en vrai. Oui c'est vrai, c'est vrai. Je m'emballe parce que je vois un Planeswalker, mais. Effectivement, on oublie qu'il y a 3 Planeswalkers dans l'extension. Pour Bon moi, il il y est en avait que 2. rinçave. Il est un peu Bah c'est rinçable. Mais déjà le dessin est égalité. extrêmement T'es à beau. égalité avec moi, il te reste 25 boosters. Ah ouais? Ouais, t'es à 2 rares, t'es à 26 points. Ah, quasiment, ouais. Bah écoute, j'ai 26 boosters pour faire mieux. À quel point puis-je enfoncer le clou?
Ouais, voilà, Vous c'est un peu serez ça. dans Valépiel Charpentier. Pas du tout. Titre en Wildcard C'est pendant genre, qu'il lousse. jusqu'à où je peux me faire humilier là? J'ai du mal à parler, c'est fou. Ouais, en même En temps, un week-end, on a fait que parler. ouais, rendu week-end et genre, on rentre du week-end, te rends compte? Te rends-tu compte, hein? Je me rends seulement compte. Te rends-tu seulement compte? Oui. On fait une vidéo. Tu vois? Ah, C'est-à-dire, on j'avoue. enchaîne. Très mauvaise idée Comme d'ailleurs. Comme Cool Chain, Cool Chain. mais très mauvaise Vu idée. qu'à 21 tout à l'heure, c'était bien, je refais. Je pense qu'il Enfin, faut pas à pas, 21, à moi. Il faut pas 51. garder des patterns comme ça. Faut Ah briser ouais? les habitudes. Ah bah t'avais raison, tu vois. Eh ouais, Mon ça c'est cul. Ah, l'ouverture à 10, j'ai ça. Chérieuse de rêve, la MVP. Ouais. Et là, je refais 10. Oh, Et c'est là, t'es beau. Comme bluffé, ça, tu là. gardes le dernier booster. Ça, j'aime beaucoup, ça. Exactement. Et on a un dieu, Eh ouais, on a un dieu. Tranquillous, une Pourtant, mythique Waka. Niléa, vraiment, Nilea, il devrait elle pas devrait compter, je coûter, pense. elle devrait me Ouais. faire perdre des points, tu vois. Est-ce qu'on fait un jeu, genre en mode, t'as Niléa, elle te donne moins de points? Bah du coup, il aurait fallu le dire avant. C'est un peu facile maintenant. Et j'ouvre ce dernier booster. Qu'est-ce qu'il y a dans ce dernier booster? Si tu Faut colles, que je c'est le plus chauffe un 3. peu. Il faut que je colle la carte. Ouais, au moins si c'est un dieu ou si c'est ou sa rareté quoi. Si tu chopes la bonne rareté, 3 points. C'est comme ça, c'est cadeau, tu vois, je te donne. J'ai eu 5 Mythic Wildcards? 4? Ça c'est bien ça. Ouais, c'est pas mal. Je vais avoir un dieu. Tu vas avoir un dieu. Ouais. Oh putain, ça serait incroyable. J'ouvre. Et eh, c'est presque un dieu, pas du tout. Je m'attendais Eh à ben c'est faire rien. Wouah! Et non, c'est le Kraken du Nadir, Pas du tout. c'est-à-dire de la merde. Et c'est marrant que le dessin de la bête eh ben, soit un peu flou au fond. Ouais, On a c'est genre l'impression que on le là, du voit coup, mais c'est les pas trop. tentacules ou le Et parce que bateau. ce n'est que les tentacules qui comptent. Tu comprends? Je vois. Comme dans les mangas japonais. Je vois. Alors, on Ah est là sur là. du 24 plus 8, 32 plus 2, 34. On est sur de l'ouverture qualitative. 6 points d'écart, Dans le soit sud, on appelle ça une l'équivalent branlée. de deux mythiques wildcards. C'est un peu une branlée, effectivement. C'est un peu une branlée. Oh, franchement, ça reste correct. Ouais, ça va. Je m'attendais à me faire plus écraser. Mais en termes de score, c'est vraiment pas mal. Mais t'as envoyé 10 boosters vides aussi. Et ça, J'ai envoyé 10 boosters vides, ouais. c'est compliqué. Vraiment, t'as pris 10 Mais. boosters, tu les as mis par la fenêtre, quoi. Ouais. Genre, t'as distribué aux mouettes pour leur dire, tiens, jouez un peu, quoi. Ça, vous voyez, les 10 boosters que j'ai ouverts, c'est quand vous allez vous dire, vous avez un peu de sous, vous dites, tiens, plutôt que d'acheter les cartes que je veux, ou alors de garder Ou pour alors acheter une acheter une boîte ou boîte ou quoi, quoi. je vais acheter 10 boosters maintenant. Et vous achetez ces 10 boosters, tout le monde a fait L'erreur. ça. Tout le monde a fait ça dans sa vie. Vous L'erreur. achetez 10 boosters, vous les ouvrez au fait. Eh bien voilà, c'est un Voilà. resto en moins. C'est vraiment, c'est juste une dévalorisation totale du trade. C'est-à-dire, vous aviez Ouais. des sous et on vous donne rien. Et Vous avez perdu comme ça. si, en fait, on te donne de l'encombrant. Voilà. Voilà, c'est très important parce que le carton, ça s'entasse. Par contre, dans ces 10 boosters, il y a toujours une ou deux rares qui sont en mode ça fera quelque chose plus tard, tu vois. Mais sur le Y a coup, une ou deux ça vaut rares vraiment qui te zéro. fait te dire, qui te raccroche à un truc en mode ah bon, tu sais, qui t'essaye de te faire relativiser en mode Ouais. non, j'ai pas, bon, j'ai bien fait quand même de les prendre ces boosters. Alors que pas du tout, c'est complètement nul à yèche et pas rentable. Il fallait pas faire ça. Mais il y a deux petites rares, tu te dis ça va. Mais c'est fou parce que en vrai, T'essayes de te forcer à être content en fait, tu vois. tu peux juste acheter un booster, avoir Ouro, tu vois, et te dire bah nickel, ou Eliode, ou t'as ça, tu Ouais, vois. mais ça n'existe pas ça. Mais Les bah mecs qui si. rentrent dans des boutiques, qui achètent un booster et qui ont à ça, bah ils sont plus là pour le raconter, tu Ils ont été supprimés après. Alors que le fait d'en prendre plus, j'ai l'impression que ça crée une espèce de magie intrinsèque au booster qui font que forcément, Genre toi tu t'es prends les gourmand, mauvais t'auras rien, boosters de tu la vois. boîte. Ouais. C'est genre toi mon con, t'essayes de défier les Exactement. stats, on va te. C'est celui qui achète 10 bancos. Non, il t'achète un Mais non, banco c'est ça. ou deux, mais pas plus. Il y a des Après, tu es mecs, grid. il y a des mecs qui jouent au loto pendant 40 ans, walou, hein, pas un centime. Hein. Ouais. Il y a un mec, un jour, un matin, il se réveille, il se dit, tiens, je vais jouer au loto. Millionnaire. Une seule fois. Mais si les mecs de 40 ans, ils lui tombaient dessus, Ouais. Bah, c'est arrivé ça ferait pas beau à voir. Hein. à quelqu'un qui avait gagné 60 millions d'euros et maintenant il n'y a plus rien. Plus rien? Ouais. C'est les 40, ceux qui jouent depuis 40 ans qui ont tout piqué. Il a très mal investi. Voilà, fun fact, on peut passer de vraiment beaucoup à vraiment rien. Faut vraiment très très Et très lui, mal je crois qu'il investir. jouait genre une fois, de temps en temps, en mode pourquoi pas. Et bah, gros lot. Et walou maintenant. La morale de cette histoire, vaut mieux pas jouer et jamais rien espérer. Vous pouvez pas être déçu. Voilà. Sais pas si c'est une bonne morale, Pas mais. du tout.
C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On disait des bêtises, on ouvrait des boosters, forcément ça vous a plu. Petit En pouce bleu, commentaire, espérant. partage, abonnement. Merci encore une fois à notre sponsor Magic Bazar. On n'a pas dit tout ce qu'on dit au début, parce qu'on parlait d'événements, mais effectivement, si vous voulez soutenir, il y a le code donc ValetPL2020 sur la boutique Magic Bazar dans la description, avec plein de trucs, etc. Le petit logo, c'est sûrement affiché au début, mais on n'en a pas parlé, mais voilà. Merci infiniment à eux pour le Yes. week-end qu'on a passé. Venez nous voir au C'était très Rossébois. cool. Au Rossé-vous. Venez ce soir, ou alors allez voir la rediff si vous voyez ça le lendemain, du Rossez-vous si vous pouvez. Ça va être énormissime, je l'espère. Enfin, je le sais déjà que ça va être énormissime. Bah, des nouvelles cartes, ça fait toujours plaisir. Nouvelle carte, ça fait Dans un toujours affrontement de très qualité et plaisir. de haut niveau. Et en plus, nous, on sait les decks. Nous, on sait les decks et On sait ce que franchement, ça va être. très sexy. C'est Vraiment, vraiment sympa. il y a du petit sexe, quoi. Ah ouais. Du petit sexe? Du petit sexy, quoi. Du petit sexy. Du petit sexe, ça fait genre, il y a un mec qui a ramené Monored, tu vois. Pas du tout, en fait. Je me suis juste pas exprimé. Pas du tout. Rien à voir. Dédicace à tous ceux qui jouent Monored. Incroyable. Ça fait genre le mec qui a pas pris de risque. Et en Ouais, fait, si, voilà. tout est cool, tu vois. Ah là là, je me suis mal exprimé. Mais en même temps, putain, on vient de faire 8 heures de train là, ou je ne sais quoi. On est fatigué. On le dit à chaque vidéo. Et ben, on le redit encore une fois. Dédicace à toi, abonné qui a dit ça. J'ai l'impression qu'ils sont toujours fatigués, Valet PL. Oui, En fait, on mais va lui on dire essaie. salut à tous, on dira on est fatigué, ça va fou? Voilà. N'hésitez pas du coup à checker les réseaux sociaux dans la description, Twitter, Facebook, Discord, notre chaîne Twitch, Valpelmagicarena.fr. Surtout n'oubliez pas, c'était C'était de de la la belle belle magie. magie.